Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Le 7 octobre dernier, Israël a vécu l'impensable. Une redite des pogroms de la Russie tsariste, une répétition inédite des crimes nazis les plus abjects, menés sur la terre même du peuple juif. Un bilan qui déconcerte et choque. Près de 1200 morts, des milliers de blessés, et surtout un peuple meurtri comme au lendemain de la Shoah. Le plus jamais ça a montré ses failles, et c'est aujourd'hui une jeunesse israélienne qu'il convient d'aider à se relever d'un traumatisme national. Pour nous en parler, Rebecca Barenfeld-Sidoun est au micro de Patrimoine et Culture du Judaïsme aujourd'hui. Bonjour Rebecca. Bonjour Emmanuel. Alors, j'ai découvert sur la toile une forme d'organisation, d'association. Je ne sais pas exactement quel est le statut de votre initiative. Vous êtes plusieurs à essayer aujourd'hui de reconstruire cette société israélienne où il y a beaucoup de jeunes. Et vous avez le projet, en fait, d'aller parler à des enfants pour leur expliquer avec les mots adaptés ce qui s'est déroulé le 7 octobre et aussi les rassurer sur leur avenir. Est-ce que vous voudriez nous expliquer un petit peu l'origine de cette initiative et nous dire en quoi elle consiste? Oui, bien sûr. Alors, à l'origine, on s'est retrouvés donc le 7 octobre à découvrir donc cette horreur qui, enfin, on savait, on était un peu démunis, on ne savait pas exactement comment ça a pu nous tomber dessus. Pour beaucoup de personnes ont été mobilisées, des papas ont été mobilisés, des frères, des sœurs même. Bref, il y avait toutes ces horreurs qui nous arrivaient dessus. Et en tant que parents, tout de suite, on a tout coupé. C'est-à-dire que moi, en tant que maman israélienne avec des enfants en bas âge, qui ont 10, 8 et 3 ans, sachant que leur papa était parti même dans la nuit du 7 au 8 octobre mobilisé, il fallait comprendre comment il fallait protéger quelque part ses enfants. Et également, on s'est tous posé la question, mais comment on va leur faire comprendre que l'humanité n'est peut-être pas morte ce jour-là, parce que c'était tellement effroyable ce qui s'est passé. On était abreuvés d'images graphiques, d'horreurs, enfin bref, c'était assez épouvantable. Et nous, en tant que parents, on a tout de suite voulu les couper de ça. Mais malgré tout, que ce soit des copains d'école, des enseignants, chacun connaît quelqu'un, soit qui est mort ce jour-là, soit qui a été enlevé. Et puis sans parler non plus de cette mobilisation énorme qu'il y a eu, puisque plus de 300 000 personnes ont été mobilisées, donc ça représente quand même une très très grosse partie de la population, et qui touchait directement nos enfants. Donc avant de savoir comment on allait pouvoir absorber cette vague qui allait arriver sur nous, il fallait qu'on comprenne comment nous-mêmes on allait pouvoir en parler. Et je connais Adassa Benari, qui est à l'origine du projet, qui est l'initiatrice de ce projet en hébreu. Nos enfants sont ensemble à l'école et dès le début, on va dire 2 semaines après le 7 octobre, elle écrit des histoires, elle est ce qu'on appelle Kotevet Tochen et Arikha, c'est-à-dire qu'elle fait de l'édition également de textes, c'est son travail. Donc elle a lancé une chaîne, pas une chaîne, mais une page Facebook, avec une histoire sur un héros, à chaque fois, qu'elle mettait en lumière, avec un narratif très enfantin, où elle racontait, en fait, son histoire héroïque de ce jour-là. Et ça a été une approche assez, assez émouvante et assez intéressante, parce que je me suis dit, ah, mais tiens, voilà, c'est comme ça qu'il faut raconter aux enfants. Leur dire que ce jour-là, il y a eu des gens qui faisaient la différence, et mettre peut-être, leur faire découvrir peut-être l'histoire, commencer un devoir de mémoire, mais de manière plus avec un narratif enfantin et arriver à leur faire comprendre que y a des choses belles qui se sont passées quand même. Voilà. Donc j'ai tout de suite proposé donc à Adassa de le retranscrire en français pour les juifs de diaspora ou les juifs d'Israël, parce qu'il y a quand même une grosse communauté également ici. Et je trouvais que c'était très intéressant. Donc l'histoire, c'est une histoire par jour qui est publiée sur les pages Facebook et Instagram, accompagnée d'un joli design, d'un joli graphisme. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Oui, donc comme vous l'expliquez, en fait, il y a toujours cette notion de résilience permanente,
hein, dans le peuple juif, cette volonté de renouer avec une note d'espoir et de la transmettre de génération en génération malgré l'horreur de ce qui s'est déroulé le 7 octobre. Hein, donc vous avez, me semble-t-il, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, eu recours à des spécialistes aussi, hein, donc des psychologues, des pédopsychiatres qui ont relu les textes pour essayer de les mettre à la portée de ces jeunes enfants et faire en sorte que le message soit le plus à même de véhiculer cette espérance et de montrer la réalité, mais en utilisant des termes qui ne soient pas choquants, et aussi de mettre cette note d'espoir à travers ce qu'on appelle tzadik umot haolam, c'est-à-dire ces justes, hein, qui, de la même manière que pendant la Shoah, ont, au péril de leur vie, fait des actions extraordinaires, eh bien, on a retrouvé ce type de personnage impressionnant lors de cette journée tragique du 7 octobre. Est-ce que vous voulez nous parler justement de quelques-uns de ces personnages presque mythiques aujourd'hui, puisqu'on en entend parler et sur les réseaux et à la télévision, en Israël notamment? Oui, alors oui, c'est très important le point que vous avez soulevé. Les histoires sont relues par des psychologues pour savoir si c'est à la portée des enfants, est-ce que c'est choquant, est-ce que ce n'est pas choquant. On a mis en place également un cahier des charges, hein, que adressé aux parents, c'est-à-dire qu'on ne conseille pas aux enfants de lire tout seul les histoires. C'est toujours avec, en présence, on stipule bien que c'est en présence d'un adulte, histoire en présence d'un adulte, et le parent est invité à sélectionner également en amont l'histoire qu'il voudrait bien raconter à son enfant, et ça pose les bases pour pouvoir ensuite parler de tout ce qui est émotion autour, est-ce que ça lui provoque, qu'est-ce que ça lui provoque, quel genre d'émotion, est-ce que ça le rend triste, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il a peur, voilà, donc c'est voilà, tout le projet, il est vraiment dédié avec ce narratif qui est relu également par les psychologues pour pouvoir poser un cadre à engager la conversation, en fait, avec l'enfant. Donc c'est vraiment hyper important et c'est vraiment le projet, le but du projet était également de faire ça. Le deuxième but, c'est également, quelque part, j'ai une amie qui m'a dit, qui n'est pas juive d'ailleurs, qui est en France, peut-être si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, elle m'a dit, mais en fait, c'est extraordinaire parce que vous commencez le devoir de mémoire. Déjà, dès maintenant, en mouvement, vous commencez à le faire déjà dès maintenant et je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que c'est vraiment une spécificité du peuple juif. Et puis, évidemment, pour parler des héros de ce jour, de ce jour noir qu'on a vécu, il y a quand même des choses extraordinaires qui sont ressorties. C'est vrai que nous, on aime bien, en France, raconter les grandes épopées des grands résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. On aime moins raconter, oh, ben, y a un tel qui est mort, il y a un tel qui s'est fait enlever. Je pense qu'il y en a eu, hein, aussi, hein, pendant toutes les guerres, je pense. Mais c'est vrai qu'on aime bien, parce que ça nous permet nous, en tant qu'humains, ça nous permet justement de rebondir et ça nous fait du bien, ben, en tant que parents. Et évidemment, si nous, ça nous fait du bien en tant que parents, ça va faire du bien aux enfants. Et du coup, oui, moi, j'aimerais juste faire par exemple, vous parler de Rabin Davidian, que j'ai eu la chance de rencontrer, de croiser, qui est un homme, je pense que c'est un des plus grands hommes que j'ai rencontré, en fait, de toute ma vie. Vraiment, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de rencontrer une autre personne comme ça. C'est un agriculteur du Moshav Patish, donc c'est un village qui n'est pas très loin de Réine, et qui a reçu, le 7 octobre, un coup de fil d'un ami qui lui dit « Écoute, j'ai des parents, leur fils, ils le cherchent, il est à une fête pas très loin de chez toi, ils n'arrivent pas à le retrouver, c'est le merdier, c'est une catastrophe, il y avait des roquettes qui étaient tirées, des alertes en permanence, etc. » Il a pris sa voiture, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'entraînement, c'est un agriculteur, il est allé donc à la Messibat Nova, donc à la Respartie de Nova, et il s'est rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait là-bas. Et en tout et pour tout, il est allé, il n'a pas cessé de revenir et de repartir et d'aller chercher dans tous les recoins puisqu'il connaissait très bien la région. Il est allé chercher dans tous les petits ravins, dans toutes les petits bosquets qu'il pouvait connaître, etc. Et en tout, il a sauvé 700 personnes. Et je sais pas, nous, est-ce qu'on aurait été capable
de s'annuler et dans le feu de l'action, d'y aller et non pas de sauver notre peau. Et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il a été pressenti pour allumer, vous savez, le jour de Yom HaTzmaout, le jour de l'indépendance, où il y a des gens, des grandes personnes qui ont fait l'histoire durant l'année d'Israël. Et donc, du coup, on les invite pour allumer une torche. Donc, évidemment, et c'est pas le seul, hein, on a eu plusieurs héros de nos histoires qui ont été invités également ce jour-là. Mais juste une personne extraordinaire. Et pendant son discours, la seule chose qu'il a dit, je suis désolée de ne pas avoir pu sauver plus, de ne pas en avoir, de toutes ces personnes que je n'ai pas pu sauver, pardon. Et je trouve que c'est quelque part, ça prouve également peut-être, il y a cet esprit de résilience et de bonté chez cet homme qui est vraiment caractéristique. Bon, excusez-moi, c'est peut-être très 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 pédant peut-être de ma part de dire ça, mais oui, je pense que ça fait partie peut-être de l'histoire juive aussi de faire ce genre de choses. Voilà, comme vous dites, il y a une très grande humilité hein, chez toutes ces personnes qui dont l'histoire est relatée hein, donc sur cette page Facebook nos héros du 7 octobre. Et parmi les récits, alors je suis tombé sur l'un d'entre eux qui m'a également intéressé parce que vous avez créé un lien intergénérationnel également, au-delà de ces grandes personnalités qui ont marqué cette année 2023, il y a aussi ce récit rapporté par des rescapés de la Shoah qui sont allés à la rencontre des enfants pour leur dire comment ils se sont reconstruits au lendemain du crime qu'on pensait être le pire de l'humanité, hein, celui qu'on espérait ne plus jamais voir se reproduire. Et donc, voilà, votre association hein, de bénévoles a cherché à mettre en relation également hein, des seniors, des enfants qui ont survécu à l'extermination en 39-45 et qui maintenant eh bien se rendent dans les écoles aussi pour leur dire que ben ceux qui ont vu ces horreurs peuvent se reconstruire, grandir, devenir des adultes, des parents à leur tour et que le traumatisme finira malgré tout par s'atténuer pour une note d'espoir. Est-ce que vous voulez nous parler d'un de ces récits je crois me souvenir du nom de Hana. C'est Hana, exactement. Alors Hana, c'était une petite fille pendant la guerre 39-45. Elle était cassée donc dans une famille et évidemment dès qu'il y avait des descentes de nazis, enfin bref, dès que c'était assez dangereux, donc du coup on l'a cachée pendant des heures dans un placard, dans le noir. Et Hana, on a fait un livre qui s'appelle Les Papillons. Où en fait elle raconte que elle s'imaginait être un papillon pour pouvoir s'évader. Donc c'est un récit qui est assez émouvant et intéressant puisque Hana, il y a eu tous les enfants donc du pourtour de Gaza qui se sont retrouvés en dehors de chez eux, qui ont été mis dans le centre, dans des hôtels, à la mer morte, etc. Et elle est allée à leur rencontre et elle leur a raconté son histoire. Puisque beaucoup d'enfants des kibboutzim se sont retrouvés, il y a certains enfants qui se sont cachés dans des placards, qui se sont cachés sous des lits, qui se sont cachés dans des endroits exigus, et on parle de ça pendant 26 ou 28 heures, puisque de 6 heures du matin le 7 octobre, des fois, par exemple, il me semble qu'à Berry, ils ont été libérés, il me semble, à 10 heures du matin, le lendemain matin, certaines maisons, donc c'était énormément, énormément de temps avec cette peur, cette angoisse, et du coup elle est allée à leur rencontre et elle leur a raconté son histoire pour leur dire « Moi, je m'imaginais que j'étais un papillon. » Et je trouve que c'est très beau. Et les enfants ont accueilli ça en disant « Mais nous aussi, on a vécu ça. Nous aussi. » Et donc, du coup, il y a cette démarche qui était très belle, en fait, de sa part, d'aller à la rencontre des enfants de ces kibbutz pour leur expliquer que après, c'est devenu une mère, une grand-mère, comme vous avez dit. Et voilà, et toujours être dans la beauté des choses, peu importe ce qui s'est passé. Alors, donc, on va rappeler hein, simplement pour les auditeurs, donc, c'est une page qui s'appelle Nos héros du 7 octobre. On peut la retrouver sur Facebook.
Et pour l'instant, il n'y a pas encore de moyens de vous aider financièrement, mais je crois que ça ne Non. saurait tarder. Et Ça ne saurait on. tarder, on Ouais. espère. Il faut savoir qu'on est tous bénévoles. C'est un projet dans lequel on s'est engagé. On est on va dire une bande de mamans, hein, qui s'est engagée dedans. Il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas d'association à but non lucratif. Faut savoir qu'il y a un livre également en hébreu qui est sorti. Il y a également des collaborations avec le ministère de l'Éducation israélien pour Oui. pouvoir faire des activités autour de ce projet. Mais oui, là, donc on espère qu'à un moment donné, on pourra justement faire peut-être trouver des financements pour pouvoir faire continuer à vivre ce projet. Bon, écoutez, dans tous les cas, moi je pense que l'initiative est extraordinaire. Elle méritait d'être Merci. médiatisée aujourd'hui sur patrimoine et culture du judaïsme. On vous remercie beaucoup, Merci à vous. Rebecca, et on vous donne peut-être rendez-vous bientôt pour la suite de ces événements. On vous souhaite bon courage et on invite les Merci, merci auditeurs de beaucoup. PCJ à retrouver cette interview sur la chaîne YouTube de la radio RJM, la radio juive de Marseille, et sur la chaîne Patrimoine et Culture du judaïsme. On vous donne rendez-vous très Merci. bientôt pour une nouvelle émission. Merci Rebecca et à très vite. Au revoir. À très vite, au revoir. Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.